Considérés comme des lieux de rencontre, de partage ou de repos, ouverts aux personnes de tout âge, les jardins publics à Brazzaville présentent un tableau moins attractif du jardin de la préfecture, du Rotary Club, ou même celui en face du mausolée Marie Ngouabi, le constat reste le même. Du gazon mal entretenu, la présence des lézards, des moucherons et des déchets plastiques. À cela se greffe l'absence des sanitaires publics. Faute d'entretien, ces espaces verts sont devenus le refuge des malades mentaux, alors qu'ils devaient servir des lieux d'attraction pour la population en cette période de festivités de fin d'année. La saleté attire les maladies. Donc, il faut que ces personnes qui sont chargées de faire ce travail qui s'en acquittent, parce qu'il y a des grandes personnes, des enfants qui viennent se détendre ici, qui viennent jouer. En ce moment de fête, on aurait voulu que le jardin soit vraiment un lieu propre pour que les enfants viennent passer des fêtes de Noël. Il y a beaucoup d'herbes de saleté. On devrait tailler un peu les herbes autour là, arranger pour que les gens puissent venir admirer la beauté de nos jardins du Congo. Le jardin public, en face de la case des Gaules, là-bas Congo, beaucoup fréquenté par les petits-enfants, n'est non plus épargné par le manque d'entretien. J'avoue qu'il y a peut-être une année ou 2 ans, il était beaucoup plus propre que cela. Je fais des exercices sportifs ici, je constate que c'est assez insalubre. En tout cas, il y a beaucoup de détritus, il y a beaucoup de saleté en fait au niveau de ce jardin public. Certainement, le mieux serait qu'on fasse un peu plus grand focus là-dessus, qu'on essaie de nettoyer comme c'était avant, parce que c'est quand même un espace public et on voit beaucoup de gens venir se reposer, prendre du temps ici. Donc, ça serait vraiment bien que ceux qui ont la charge de prendre soin de cet endroit le fassent comme il se devrait et que ça retrouve sa propriété d'antan, quoi. La nécessité d'entretenir les jardins publics à Brazzaville devra contribuer à l'amélioration de l'environnement de la ville capitale en vue de lui redonner sa notoriété de Brazza la Verte.